Bon, je me focus sur la game, les gars, on reparle après. Chaud pour l'open tour de ce week-end. En vrai, oui, je suis grave content là de ce qui se passe en ce moment. Cette semaine, il y aura un petit show match pour vous régaler. On vous présentera le jungle qui fera l'open tour avec nous. Rien de mieux qu'un dive, les gars, pour commencer la journée. C'est quand l'open tour? C'est samedi. Samedi et dimanche. Il y aura Iris chez moi, il y aura Sleepix. On sera nombreux chez la TDS à être présents. En vrai, il y a peut-être moyen. Il m'a laissé prendre l'agro, il me casse les couilles. C'est passé, mais putain. Oh la Riven, frérot, ce qu'elle s'est pris là. En vrai, c'est super chaud de faire ça avec Graves parce que vu qu'il. Si l'autre il est caché derrière la tour, ça baisse tout mon plan, tu vois. Ouais, en vrai, ce dive, je l'aurais pas tenté non plus. Et quand je l'ai fait, je savais que j'allais potentiellement regretter, mais. Ah, j'étais sur place, quoi. Casse les couilles, là. Enfin, les joueurs de Kane là qui bandent sur les farms là. Passent leur vie à chercher des camps jungle là. Ça va, frérot, je te dérange pas, non? Ah ouais, non, mais j'ai smite, hein. Oh, mais non, mais une caméra. Ça va, le frérot, il a pris toute ma jungle, ça va, frérot, tu veux pas non plus des curly avec? Très grave, les joueurs de Volibear, frérot, ils pissent encore au lit, c'est sûr. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as fait dans la game, frérot? Ben, j'ai power farm 35 CS, il a pas vu un gank. Pas grave, moi, y a mon Graves qui snowball au top. Là, s'il y a Kane qui passe par là et qui smite mon Grom, frérot, je casse le PC en deux, je te le dis. Voilà, le bon petit snowball qui s'installe. Oh, la Riven, frérot, c'est un épisode des Fadas, là. Elle va probablement avoir. Ok, pas mal. Et niveau 6, j'ai envie d'open. Là, j'ai envie d'open. Hein. Ça reste entre vous et moi. Mais ouais. Petit niveau 6 sur Kane. Après, c'est pas grave. C'est dans le sens, c'est my bad. Parce que bah, c'est la méta jungle de jouer comme ça en mode full farm et tu feras rien. Et après, t'arrives, t'as double kill. Lui, il récupère shutdown et il se met bien. En plus, il a sa forme bientôt. Mais tranquille, ça va le faire. Kane power form, ça bouge pas. Le problème, c'est que le bot perd sans Kane en fait. Du coup, le fait de jouer top, c'est pas une erreur. C'est juste que bah, le bot a perdu le 2v2. Tu vois. Qu'est-ce que tu veux, Franco hein? Ah mais c'est grave, vais sa tête là. Il doit ressembler à une courgette, IRL lui. Faut juste que je passe mon niveau 6 là, il faudrait que je prenne l'XP ici. T'es mince, sa vieille tête là. Comment il flash encore lui? D'accord. Tosso. Mais j'ai trop bien joué en fait. Mais... Payez-moi pour tag en solo queue. Le pré-shot, petit pré-shot, into je force tout le monde à flash. Le Kane, je le force à flash aussi. Mettez-moi en prison. Je rigole, bien joué ma team. Après, je suis présent sur 5 kills. Le top continue de snowball, c'est mon plan de jeu. Allez, ciao, Bambinos. Mais moi c'est Kane, moi je fie, moi j'ai une tondeuse à gazon, je suis dans la jungle et je déracine tout. Hein, regardez, je vais une veille de Volibear, je l'ai vu au bot. Je vais power farm. Je m'appelle Kane. Et regarde le un coucou. Je vais infiltrer le top 5 de Volibear, je l'ai vu au bot. Attention, je suis dangereux. Casse les couilles, frère. Et regardez, je suis monté master, je power farm. Désolé, je suis en forme aujourd'hui. Oh là, le Kane qui m'aide, enfin le Graves qui m'aide carrément à faire mes camps, c'est pas trop beau ça. Qu'est-ce qu'il fait? Ah mais c'est vrai, t'as pas de flash, hein. Je te le dis au cas t'étais pas au courant. Allez, hop, à dégage, à haut. Oh, ça va frère, il m'a cancel 6 fois mon Q là. Oh, j'ai eu 3 resets de Q là. Alors frère Jacques, barrière, personnage 1 km de distance, dégâts bruts, tentacules jusqu'au cul frérot. C'est pas assez safe comme perso, tu veux prendre quoi maintenant? T'es sous tour, j'en ai rien à foutre frérot, je suis Volibear. Allez dégage, vais, ils sont en train de terminer la game au top. Vais. Ah mais c'est pas grave, je joue contre Kane, Théma frère, 20 minutes il a power farm, il m'a pris 4 raptors, il en peut plus Théma. Il allait chercher une Durex multiforme là tellement qu'il est content genre. Eh non c'est pas ça jouer jungle, c'est jouer au jeu en fait. Jouer au jeu, il faut gank. Voilà, maintenant tu vas te prendre les moins 20 là. Et tu vas vite me les donner, je te le dis moi. PV. J'ai la forme à 12 minutes, regardez-moi. Je suis prêt au combat, coucou. Le pire c'est qu'il y a un potentiel de chance qu'il gagne la game. Ah d'accord, il met l'Herald. Oh mais oui.
Il a mis l'Herald. Il était gros, j'arrive dessus, mec. Ça part en mime un peu quand même, non? Je pensais avoir plus de backup. C'est pas grave, il va s'en occuper. 3 heures de le move. Oh, il a mis l'Herald à 2 HP devant ma gueule, genre. Ok, bon. On va partir pareil, plaque du mort. Hein. En fait, tu peux faire zonier en deux, tu vois. Le problème, c'est que plaque du mort pour la MS est trop bien. Le Graves, les gars, je lui ai donné une game, frérot. Il s'en rappellera jusqu'à la saison 15, je pense. Il lui envoie des cartouches, frérot. Je peux mourir? Ah, c'est bon. T'es monté à 400 LP? Oh, jure-le. D'accord, j'ai plus de mana, les gars. Comment on fait quand on a plus de mana? Y'a plus personne? Attends, mais comment ça? Ils font presque un ace là? Bon, la game elle part en bible, les gars, y'a moyen qu'on perde ça. Après, c'est normal, c'est Kane, les gars, ne soyez pas surpris, c'est le perso pour 1v9 quant à ta forme. Jusque là, personne, bien évidemment, est choqué sur le stream. Ce qu'on voit est juste naturel et la suite logique des choses. Là, il va Gordrinker, hop, et voilà. Après, l'autre il a fini la game au top, mais ça c'est une autre histoire. Hein. Finito? Pas d'anti, il va être Kane. Bah, après, là pour l'instant, je peux pas vraiment le rush en deuxième item quoi. En vrai, je pourrais, mais c'est juste qu'il y a vraiment que lui qui a de la régène pour l'instant. Dès qu'il voit, je... Allez, laissez-moi farm, deux Drake. Par contre, c'est abusé. Zeri, j'ai l'impression qu'elle a fait un bon taf, malgré qu'elle joue dans Nashor. Bon, après, je connais pas le build, mais... Là, je fais plaque du mort, après je fais anti-heal, et après je fais Zonia. En vrai, ce qui me casse les couilles avec l'anti-heal, c'est que tu vois, c'est pas vraiment à moi de le faire. Parce que, en fait, le fait d'aller chercher la cible que je souhaite avec la plaque du mort, ça aura plus de value qu'un simple anti-heal. Mes potes peuvent le faire, l'anti-heal, tu vois. Moi, je peux mettre l'anti-heal que sur un mono-cible. J'ai une catastrophe, qu'est-ce qu'il fait là? Mais... Oh, il s'est cru au Carrefour Market là. Go farm en vrai, non? Grenade dans la gueule! Il éclate la gueule! On va les dive comme des malpropres et c'est tout ce qui va se passer. Je peux prendre deux temps. Ah d'accord, il y aura pas de deux temps du coup. j'ai voulu engage, flash out pour prendre le fight en deux temps. Mais bon, j'ai pas compris, je me suis pris l'ultime de Renata et après il y a eu une implosion. Je sais pas d'où c'est sorti, mais il y a eu un petit souci là dans l'équation. Là. Bon, au moins j'aurai mon flash pour le prochain fight. Ah mais c'est Graves qui m'a tué ce chien. Ah oui. Ah il s'est pris l'ultime Renata et il m'a double cartouche. Ok. C'est pour ça que j'ai pas compris. Ah il m'a défoncé avec ça en fait. Oh les cartouches. Oh. C'est pas fini, c'est pas fini. Non mais là c'est un terroriste. Tous les joueurs de Kane frérot, vais-moi ça, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je vais arrêter. J'en ai plein les couilles des joueurs de Vel'Koz. Viens là, V, ça fait que fuir. J'ai fait cartoucher la tête. J'ai voli, me l'a redit encore. Ah frérot, je te lâche pas frérot. Paye les couilles là, jouez au jeu bordel, arrêtez avec vos persos qui décalent pas là, paye les couilles de vos champions là. Graves, il y en a fini frérot. Mon Volibear, je suis vraiment content parce qu'il est vraiment de plus en plus on point et je suis très heureux de vous proposer ce niveau quoi. Je vais le smite avec le EZ là, regarde. Ok, open. Le Graves, il est tout seul au mid. C'est quoi le jungler que Voli défonce le plus facilement? Des personnages qui sont pas faits pour des duels et qui ont un mauvais clear. Genre Diana, tu vois, dans les premiers niveaux, tu la casses en 6, tu vois. Shyvana, pareil, quoi. Bon, après, Shyvana se fait éclater par tout le monde, c'est ça la différence. Non, mais ça va, la tour, oh, frérot! Lâche-moi! Elle va meurtre, hein. Enfin, Vel'Koz va meurtre, frérot. Dès qu'il voit 50% HP, les joueurs de Vel'Koz, ils envoient les radiations, je te le dis. Moi. Ah, Kane est en train de farm top là, apparemment. Wow! Oh la Zeri! Bah alors, comment on fait quand on a plus de tour, Kane?
Let's go, 22 minutes. Let's fucking go. Oh les gars, j'ai accéléré la partie d'une vitesse extraordinaire. Non mais quand j'ai dit Diana, c'est pas au niveau du clear, c'était pour le côté dueliste, Makayan. Je sais que t'as suragé chérie, que t'es au max, mais ça va, ne t'inquiète pas, je sais que Diana est un beau farmer. Je suis conscient, n'aie pas peur. Comment ça se fait que tu fais que descendre depuis le début de ton rush? Ben là je descends pas, c'est juste un smurf, Makayan. Et bien évidemment cette game sera sur YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, de me dire ce que t'en penses un peu de Volibear et du fait d'écraser une lane, tu as vu, ça peut être profitable dans des matchups favorables. 18-1 le Graves, j'en ai fait un Avengers, voilà. Donc oublie pas de t'abonner, c'est très important, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.